Bonjour. Bon, maintenant que le conseil municipal est en ordre de marche et que vous êtes doté d'une fonction officielle, vous allez pouvoir vous atteler à vos responsabilités d'élu local. Et nous allons maintenant voir ensemble comment assumer le mieux possible ces responsabilités qui vous ont été déléguées par les citoyens et par le maire, si vous avez reçu des délégations spécifiques. Cela va nous amener à parler de pouvoir, de devoir, de motivation et d'indemnité éventuelle. Voyons d'abord les pouvoirs et les devoirs des élus. En management, car c'est mon métier de consultant dans ce domaine, on dit que pour qu'une personne puisse assumer une responsabilité, la règle du SVP s'applique. SVP comme s'il vous plaît, parce que la politesse et le respect s'imposent pour qu'une personne ait envie de s'impliquer, mais aussi SVP comme savoir, vouloir et pouvoir. Ce ne sont pas les mêmes mots que ceux sur le fronton de la mairie, mais ils sont bien au nombre de trois. Alors S comme savoir, car il va falloir apprendre pour agir. V comme vouloir, vouloir agir sur des priorités pour faire changer les choses dans la commune. Et P comme avoir le pouvoir de les réaliser. Mais comme il n'est pas de pouvoir sans devoir, il est utile de se rappeler quels sont les devoirs qui sont attachés à la fonction d'élu local. Je vous propose de zoomer rapidement sur ces différentes dimensions. Abordons d'abord les pouvoirs du conseil municipal. Le conseil municipal dispose de deux types de pouvoirs, un pouvoir de décision et un pouvoir de proposition. Le conseil municipal a ainsi la compétence, c'est-à-dire le pouvoir, d'établir et de voter le budget communal, de gérer le patrimoine communal, de créer et de gérer des services municipaux, de décider des travaux, de créer et de supprimer des emplois communaux, d'autoriser des actions en justice. Ce n'est pas limitatif. Les élus sont aussi amenés, au cours de leur mandat, à délibérer sur ces différents sujets et à prendre des décisions pour autoriser le maire à agir au nom du conseil municipal. Il y a évidemment un formalisme précis à respecter pour que ces décisions soient prises dans le cadre de la légalité. Et ce sont les agents territoriaux qui sont compétents pour veiller à la bonne formalisation de ces délibérations. Retenez que le conseil municipal peut déléguer une partie de ses missions au maire, qui en est l'exécutif, mais que le conseil municipal garde le pouvoir de contrôle. Il peut refuser, par exemple, de voter une délibération proposée ou proposer des amendements. Le conseil municipal a également donc un pouvoir de proposition. Le conseil municipal donne son avis toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et règlements ou qu'il est demandé par le préfet. Il donne son avis notamment sur les points suivants, les projets d'alignement et de nivellement des routes et chemins départementaux qui passent dans la commune, les plans d'occupation des sols, les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics, l'aide sociale et les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, les créations d'agglomérations nouvelles, ce qui concerne notamment la création de communes nouvelles. Voilà quelques-uns des avis qui sont sollicités. Le conseil municipal peut aussi émettre des vœux sans avoir été sollicité sur toutes les questions d'intérêt local et les conseillers municipaux peuvent demander la mise en discussion de toute proposition qui entre dans les compétences du conseil et un vote sur celle-ci. Mais voyons maintenant quels sont les pouvoirs spécifiques du maire. Sans entrer dans les détails, il est indispensable de faire un zoom sur les pouvoirs spécifiques du maire qu'il ne détient pas du conseil municipal mais de l'État en direct et donc il est le représentant local. Le maire est l'exécutif du conseil municipal et à ce titre, il est chargé d'exécuter les décisions du conseil qui peut lui consentir des délégations importantes. Mais il est aussi l'autorité de police municipale sous le contrôle administratif du préfet. Et à ce titre, il est l'interlocuteur de la police et de la gendarmerie. Il dispose également, comme manager de proximité de la République, d'attributions administratives et judiciaires, comme organiser les scrutins, tenir les services de l'état civil, légaliser une signature, etc. Enfin, le maire est également le chef du personnel communal.
Et à ce titre, il peut décider seul de recruter, donner des promotions, sanctionner, voire licencier, évidemment dans le respect des dispositions contenues dans le statut de la fonction publique territoriale. Cette revue rapide est évidemment non exhaustive, mais vous aurez la possibilité de vous former et informer plus largement au cours de votre mandat, comme nous allons le voir. Si les élus locaux ont des pouvoirs, ils ont aussi des devoirs auxquels ils doivent se plier, justement parce qu'ils ont du pouvoir. Voyons les principaux. D'abord, des devoirs de probité publique et privée. Ne pas faire de faux, de trafic d'influence, de prise illégale d'intérêt, de favoritisme, d'abus de confiance, plus largement de non-respect des obligations liées à la fonction d'élu. Ils ont aussi des devoirs de solidarité et de respect de la personne. Pas de diffamation, d'entrave, pas d'atteinte aux libertés d'autrui, de discrimination, d'atteinte à l'honneur des personnes. Ils ont des devoirs de responsabilité et de prévention, prévention des risques dans l'ensemble des fonctions liées à la collectivité, les blessures, la sécurité routière, les biens et les personnes. Aussi en termes de sport, de rassemblements divers, d'hygiène des espaces publics, de salubrité, de risques naturels, d'inondations. Ils ont des devoirs de démocratie et de citoyenneté, le respect du droit du secret, l'atteinte aux libertés individuelles, le respect des données, le fameux RGPD, et des devoirs d'utilisation rationnelle de l'argent public et de prévention des atteintes à la libre concurrence. Pas de corruption, mais aussi tout simplement le bon usage des deniers publics. Parlons sous un autre angle des indemnités perçues par certains élus locaux. Si vous êtes élu dans une petite commune, vous ne serez indemnisé que si vous êtes maire ou adjoint. Les présidents et vice-présidents d'intercommunalité sont également concernés par ces indemnités. Les conseillers municipaux ne sont pas concernés par les indemnités dans les petites communes, sauf dans les plus grosses où les conseillers délégués peuvent être nommés par le maire. Quel est le montant de ces indemnités de fonction ? Il est fixé en pourcentage d'un montant correspondant à un indice de la fonction publique et il varie selon l'importance du mandat et de la taille de la population de la collectivité. Un exemple illustratif peut-être. Pour une commune de moins de 500 habitants, un maire perçoit environ 660 euros bruts par mois. Mais dans le cadre du futur mandat, l'État a décidé de revaloriser le montant à hauteur de celui d'un maire d'une commune de 3500 habitants, soit 1670 euros bruts environ. Mais comme ces indemnités seront prises sur le montant du budget communal, il reste à préciser comment et par qui cela sera compensé ou pas. Le rôle des élus locaux, c'est aussi d'être motivés à agir. Nous avons évoqué les pouvoirs, les devoirs, parlons un peu du vouloir des élus locaux. Le conseil municipal a une compétence générale de droit commun pour régler par ses délibérations les affaires de la commune, comme le précise le Code général des collectivités territoriales. Aucune définition précise et limitative de cette notion d'affaires communales n'est donnée. Donc les affaires de la commune ne correspondent pas à des domaines d'activité déterminés, mais elles se caractérisent par le but d'intérêt public communal poursuivi par le conseil municipal en décidant d'intervenir. Il est donc de la responsabilité du conseil municipal de décider ce qu'il veut faire. Et pour cela, il est nécessaire qu'il se fasse une vue globale des enjeux de la commune pour décider de son cap prioritaire. Dans une entreprise, on appelle cela faire une analyse stratégique, et dans une commune, il est tout autant nécessaire de le faire. Pour aider les élus des communes et des intercommunalités à travailler ensemble et à faire cet état des lieux, que j'appelle autodiagnostic dans mon métier, Viatic a mis au point le premier espace de travail collaboratif numérique pour les élus locaux. Pour quels objectifs ? Se doter d'un espace de travail commun, faire ensemble l'état des lieux de la collectivité, choisir ses priorités, gérer ses projets, travailler avec les citoyens et les forces vives du territoire, et bien d'autres choses encore. Son nom, pilotermacommune.fr, il sera proposé aux communes après les élections municipales. Et si vous souhaitez en savoir plus, pour ne pas prendre trop de temps dans ce module, je vous renvoie simplement vers le site dont vous trouverez le lien en fin de cette vidéo. Et vous pouvez bien sûr nous joindre pour toute information utile.
Et alors, le S de savoir dans tout ça. Au-delà de cette série de vidéos consacrées aux élections communales, vous avez pu faire un rapide parcours sur l'accès à la fonction d'élu municipal, mais nous avons laissé de côté le savoir jusque-là. Alors, pour terminer, nous allons nous projeter après votre élection, sur le moyen de développer vos compétences au service de vos missions. Pour savoir comment y accéder, je vous propose un bonus pour tout savoir du droit collectif et de votre droit individuel à la formation en tant qu'élu, en visionnant une dernière vidéo. La majorité des élus ne connaissent pas ce droit et n'en font donc pas usage, ce qui est dommage. Alors je vous donne rendez-vous pour une dernière séquence qui traite de ces droits. Merci de partager ces vidéos avec votre réseau pour qu'elles puissent bénéficier à un maximum d'élus ou de citoyens avertis. Et à bientôt.